l'invité de Manguembo ce soir, c'est M. Hervé Kiteba Simo, HKS, comme l'appellent ses amis du côté de Savigny-le-Temple. Hervé Kiteba Simo est avec nous pour pousser un coup de gueule, évidemment. Et nous sommes avec Élise Ndouzi. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous le saurez aussi pour interviewer M. Hervé Kiteba Simo. Bonjour M. Kiteba Simo. Oui, bonsoir Joseph, bonsoir Élise. Bonjour M. Kiteba Simo, bonjour Joseph. Bonjour Élise, merci d'être avec nous. Évidemment, votre blog est là, sur votre blog, et un communiqué de presse est là pour appuyer votre coup de gueule. Vous n'êtes pas d'accord et vous le dites en couleur et aussi vraiment en noir et blanc. En noir et blanc sur du papier, parce que quand on imprime sur du noir et blanc, on l'a. Et en couleur aussi, on a votre protestation. Vous êtes assez remonté contre un de vos collègues qui, sur son blog, ça ne date pas d'hier, s'en est pris un peu à vous. Alors, première question, pourquoi avoir attendu presque 2 mois pour sortir du bois? Ben écoutez, moi je m'excuse déjà, enfin je vous remercie de me recevoir ici, hein, ce qui est très gentil à vous. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps? C'est extrêmement simple. Il se trouve que le blog de M. Alain Briard est un blog qui n'est pas du tout fréquenté, qui n'est pas du tout consulté, qui a un taux d'audience extrêmement bas, et c'est vraiment tout à fait par hasard en fait que j'ai été alerté de cet article sur ce blog. Il se trouve qu'une de nos sympathisantes a fait une requête sur Google en tapant juste mon nom et est tombée par hasard, je crois, sur la 3e page de Google, une ligne parlant justement de cela, HKS, déjà en campagne en 2014, quelque chose d'approchant. Et cette sympathisante a été outrée, choquée par la lecture des propos qui ont été tenus sur ce blog. Et effectivement, donc, j'ai consulté ce blog, la première fois d'ailleurs à cette occasion-là, et c'est vrai que j'ai été choqué de découvrir des articles comme ça à propos de moi, et des propos scandaleux et nauséabonds. Sur lesquels nous allons revenir. Depuis que vous avez alerté la presse, eh bien, vous avez quand même renvoyé du monde quand même sur ce blog qui était jusqu'à confidentiel. Oui, tout à fait. Bon, il y a eu une procédure évidemment d'abord, parce que j'ai demandé à un huissier de justice j'ai saisi un huissier de justice et j'ai demandé à l'huissier de justice de faire un constat le plus sain possible, effectivement, que je présenterai. Je me suis donné le temps de la réflexion, évidemment, pour saisir la justice par après. Donc voilà, ça a pris un certain temps également. Alors effectivement, aujourd'hui, peut-être que M. Briard va me remercier du fait d'une croissance subite sur son blog, mais je pense qu'il aurait été peut-être plus sain pour lui que ça soit sur des choses un peu plus propres. Alors évidemment, la technique utilisée, c'est la vraie fausse interview, un peu comme si vous n'échangez pratiquement jamais tous les deux, pourtant vous êtes tous deux élus, vous aurez pu échanger dans le couloir de la mairie, par exemple. Bien sûr, mais d'autant plus, c'est ce qui est surprenant, parce que ce monsieur fait partie, ou faisait partie, de ces élus avec qui, bien qu'il soit communiste, avec qui j'échange de façon très simple, pour qui j'ai une certaine estime, donc même un certain respect. Je vais pas rappeler par exemple un fait. Lors de l'installation des conseils de quartier à Savigny-le-Temple, la majorité municipale avait refusé que les élus puissent accéder à ces conseils de quartier, ne fût-ce qu'assister à une réunion publique, ce qui était totalement illégal. Donc nous avons saisi à ce moment-là, et j'ai saisi la HALDE, et la HALDE m'a donné raison. Donc le règlement concernant les conseils de quartier ont été modifiés. Il était même interdit, figurez-vous, que les ascendants et descendants des élus ne pouvaient même pas participer à ces conseils de quartier. Et le seul qui a soutenu cette démarche-là est Alain Briard. Alors aujourd'hui, je ne comprends pas ce genre de propos. Je veux bien qu'on puisse essayer d'imiter le canard enchaîné. Ce n'est pas le canard enchaîné. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Nous sommes dans un conseil municipal. On ne s'amuse pas avec des propos comme ça. Il suffit de lire le contenu de ce blog. Et franchement,
c'est honteux. Oui, mais justement, vous dites que vous vous entendez très bien, c'est quelqu'un pour qui vous avez de l'estime, et depuis combien de temps vous collaborez Vous collaborez voici la centaine, mais depuis combien de temps êtes-vous vous-même Et M. Briand est élu. Bah écoutez, nous sommes élus aux dernières élections municipales de 2008. De 2008, donc depuis 2008, il n'y a jamais eu ce genre de messages. Est-ce l'approche? Y a-t-il eu un fait particulier pour que monsieur... prenne la mouche comme ça? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a pris la mouche. Ça ne m'a pas l'air de quelqu'un qui a pris la mouche. Ça a plutôt l'air de quelqu'un qui apparemment s'amuse, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il s'amuse, mais bon, moi je me fie un peu avec ces techniques de communication. On essaie de faire passer les choses un peu en rigolant, en plaisantant comme ça, vous savez. On fait passer tellement de messages par la plaisanterie, par... que si ce n'était pas des choses sérieuses, le Canard enchaîné n'existerait pas, c'est un journal satirique. Écoutez, je ne sais pas, est-ce l'approche de certaines échéances? Je ne sais pas, est-ce que parce que mon groupe, Un Avenir à Samini, qui est un groupe qui grandit, qui est un groupe qui est présent au niveau du conseil municipal, qui apporte une véritable réponse et des propositions au niveau des Saminiens, pas simplement des Saminiens d'ailleurs, parce que nous apportons également une vision, et nous partageons une vision sur l'ensemble de Sénart et de l'11e circonscription. Alors, je ne sais pas, peut-être, voilà... Mais justement, parlons de ça, d'entrée de jeu, M. Briand dit que 2012, vous y pensez... 2012, c'est ouais. Bien sûr, les présidentielles, oh là là, vous ne direz pas non si on vous disait d'y aller en 2012, mais en tout cas pour 2014, M. Briand fait une relation entre vous et Nicolas Sarkozy et vous met presque parmi les amis de Nicolas Sarkozy. Ce que nous ne savions pas. Donc, voilà. Mais écoutez, moi non plus, je ne savais pas. J'ai été plusieurs fois qualifié par la majorité municipale de Saguenay-le-Temple comme étant voilà, un ami. Des grandes huiles parisiennes, enfin, moi, j'inscris mon action là où j'habite. J'habite Savigny-le-Temple, je n'habite pas Paris, je suis élu à Savigny-le-Temple, je me concentre sur Savigny, je me concentre sur l'environnement de Savigny, Sénart m'intéresse beaucoup parce qu'il y a un réel potentiel économique au niveau de Sénart, hein, et un potentiel humain qui est fabuleux, qui est extraordinaire. Et la 11e circonscription, regardez-la comment elle est constituée. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est magique. On a du rural, on a de l'urbain, on a des jeunes, on a des gens qui sont passionnés d'art, passionnés de nouvelles technologies. Donc c'est vraiment un territoire qu'on doit grandir. Et là, on se retrouve avec, voilà, des gens qui spéculent sur des positions. Alors vous disiez 2012... mon cher Joseph, moi je ne suis pas du tout candidat à la présidentielle. Hein. Bon, voilà. On est rassuré. Mais... même si Alain Briand vous a doté de quitter ma promis. Oui, bah, c'est vrai, bah, il m'a doté de cela. C'est très grand, c'est vraiment très gentil de sa part. À part être le roi de ma salle de bain, non, je ne suis le roi de rien du tout. Je ne suis qu'au service de ceux qui nous ont élus et je me mets au service de mes concitoyens, quels qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, en haut, d'en bas, ou même sans aucune carte politique. Voilà, je suis leur porte-parole, j'ai une ligne de conduite, je m'y tiens, mes amis, mes policiers sont là, ils s'y tiennent aussi. C'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre présence. Et peut-être c'est aussi ce qui embête certains, notamment. Donc peut-être M. Briand, peut-être la majorité municipale. Alors, on parlait de la 11e circonscription. Oui. Je vois, elle fait quitter Bassimo, alias HKS. Comme il s'intitule sur son blog, semble lui déjà l'arme au pied et le faire avec haut. Le conseil municipal Non, je dis ce que les Saviniens pensent. On vous a pas encore dit à eux au conseil municipal, mais rassurez-nous. Non, je dis ce que les Saviniens pensent. Vous savez, moi je circule beaucoup avec mon équipe sur Savigny. Nous allons au contact des gens. Nous rencontrons les commerçants, nous rencontrons les maires au foyer, nous rencontrons les anciens, nous rencontrons les jeunes. Voilà, nous rencontrons les jeunes. Les jeunes viennent à nous et discutent avec nous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une majorité municipale qui est dépassée, totalement déconnectée de la réalité. Alors effectivement, ce qui est embêtant, c'est que quand on dit la vérité, qu'on dit les choses, qu'on expose les choses comme ça, les gens... On est au conseil municipal, nous sommes tous conseils municipaux, nous sommes 35 conseils municipaux. On n'est pas du tout un fédoé à qui que ce soit. Enfin, moi, je ne suis pas le vassal d'un tel ou d'un tel. Je suis là, j'ai été élu pour défendre et porter la voix des Savignans. Et aussi alors, de votre courant.
Oui, mais même au-delà de cela, oui. Joseph, je vous rassure tout de suite, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut avoir une assise politique. Parce qu'il faut savoir, il faut un socle à partir duquel on peut bâtir le reste. Oui. Mais la réalité de la vie politique, et surtout la réalité de la politique locale, c'est qu'on doit dépasser les clivages politiques. Comme on le signe à chaque bulletin municipal dans lequel nous publions, hein, dans la revue municipale, nous publions systématiquement à la fin de nos écrits qu'un bon maire n'est ni de gauche ni de droite et doit toujours mettre l'intérêt de ses habitants avant l'intérêt de son parti politique. Donc moi, je n'ai aucun état d'âme là-dessus. Donc c'est vrai, j'ai une assise politique, je suis membre du Parti radical, je suis encore pour l'instant, on verra ce qui se passera. Au Parti radical. Je suis au Parti radical. De Jean-Luc Borloo. Et à l'UMP. Je suis au Parti radical de Jean-Luc Borloo, je suis d'ailleurs le secrétaire général pour la Seine-et-Marne, dont James Chéron est le président. Je rappelle que Yves Jégot est lui un vice-président du Parti radical, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et nous sommes aujourd'hui à l'UMP, donc j'ai été élu. Vous êtes à l'UMP, Parti radical de Jean-Luc Borloo. Il me semble que Jean-Luc Borloo est parti de l'UMP, non? Oui, mais c'est justement ce que je vous dis, on est quand même dans un monde libre et que nous sommes tous libres. Alors, okay. Jean-Luc Borloo a fait le choix de partir. Tout de suite. Moi, je suis membre du Parti radical, donc j'ai une responsabilité au sein de la Fédération Seine-et-Marnaise, mais je suis également conseiller national de l'UMP. J'ai été élu conseiller national de l'UMP. Je porte une partie de la ancienne circonscription au sein de l'UMP. On verra dans les jours et les semaines à venir. Rassurez. Faux entretien oui. est sorti sur son blog. Oui. Avez-vous déjà eu l'occasion de lui parler, par exemple, de cela? J'aurais bien voulu lui parler. Malheureusement, on s'est croisé rapidement au niveau du conseil municipal, le dernier conseil municipal. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous entretenir. Mais vous savez, moi, j'ai été relativement clair. Là-dessus, je suis très, très ouvert. J'ai envoyé ouvertement et librement mon communiqué de presse. Je pense que s'il y a bien une personne qui a commis une faute, avoir l'honnêteté de venir me contacter. Il a tous les moyens de me contacter. Je sais qu'il consulte régulièrement mon blog, donc voilà. L'invité de Manguebo FM, c'est HKS Hervé Kitlé-Bassimo. Même vos initiales semblent en tout cas déplaire à votre collègue. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais il y a au moins une chose sur laquelle il n'a pas menti. Vous êtes prêt pour la 11e circonscription. Je m'attendais un peu à cette question. Alors je réponds tout de suite et rassure aussi vos auditeurs. Je n'ai pas du tout l'intention de changer mes initiales. Hein, cela fait 43 ans que je les porte et j'ai bien l'intention de les continuer au moins jusqu'à 100 ans. D'accord, on est d'accord. C'est comme ça qu'on m'appelle, on m'a toujours appelé comme ça aussi mes amis d'enfance. Vous savez, parmi vos auditeurs, il y a des amis que je connais depuis l'âge de 6 ans et m'ont toujours appelé ainsi, ils pourront vous le témoigner. Alors votre question était sur la 11e circonscription. Sur la 11e circonscription. Dès que vous y pensez, même en vous rasant. Ah, je ne saurais pas vous répondre comme ça si j'y pense en me rasant. Je serais très malhonnête si je vous dis que je n'y pense pas. Bon, pour différentes raisons. Premièrement, donc, il faut porter quand même une certaine idée aussi de la France. Il faut être présent aussi dans le concert de la construction du pays. Certains ont adopté ce pays, donc doivent pouvoir être représentés. D'autres aussi doivent pouvoir avoir une envie d'un espoir pour demain. Donc voilà. À un moment donné, moi je ne suis pas du tout de ceux qui pleurnichent dans leur petit coin en disant qu'il n'y a pas assez de représentativité au niveau de l'Assemblée nationale ou des instances politiques. À un moment donné, on retrousse les manches et on y va. On y va. Voilà. Maintenant, concernant spécifiquement la 11e circonscription, je ne vous cache pas, c'est vrai, j'y pense, je réfléchis. Ce n'est pas encore ma priorité, je vous l'avoue. Ma priorité aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut offrir de mieux aux Savignans. Un avenir voilà. pour Savigny. Un avenir à Savigny. Deuxième priorité, je crois que nous avions, lors d'un précédent entretien, parlé notamment de Génération Bleue, qui fait des choses absolument fabuleuses. D'ailleurs, je salue Clotilde Périgaud, qui en est la présidente, qui est une amie, qui fait un boulot formidable, dont nous avons créé avec Jean-Pierre Descamps, avec Bruno Boisseau, de Génération Bleue. Et on fait des choses extraordinaires, vous savez. On fait rencontrer
des personnes qui n'ont pas eu la possibilité de discuter ensemble. Les jeunes, quand on a monté une réunion concernant les jeunes, faire de la politique autrement et avec les jeunes, c'est absolument fabuleux, c'était passionnant. Il y a des gens qui ont découvert des choses. Vous pourrez avoir d'ailleurs le témoignage de certains qui ont participé lors des dernières régionales dans la liste émergence. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une liste politique, c'est un club de réflexion qui est basé sur la volonté de pouvoir exprimer ce qu'est une politique centre-droit, droite, mais également ouverte à tous ceux qui veulent... Toutes les sensibilités. Oui, toutes les sensibilités, on est vraiment très ouvert, on n'est pas fermé, sclérosé. Vous savez, je suis un radical. Donc je dépasse facilement tous les clivages politiques. Quand j'ai fait la réunion avec les jeunes, par exemple, faire de la politique avec les jeunes autrement. Vous savez, nous avons eu des jeunes venant de partout de la France. Il y en a un président d'un mouvement, le président des jeunes démocrates, qui est venu, donc François-Xavier Pénicaud, qui est venu de Lyon jusqu'à Savigny, pour participer à cette réunion publique. Donc on arrive à dépasser ces clivages politiques. C'est bien d'avoir aussi dans son équipe des gens qui ne pensent pas comme vous. C'est extrêmement riche. On peut pas, on n'est plus du tout à l'époque où, voilà, on a le pouce sur la fouture du pantalon, on dit on ne bouge plus. C'est pour ça que ça m'a fait sourire quand vous aviez dit bah « Oui, mais écoutez, Jean-Louis Borloo, après tout, il a quitté l'UMP. Bah, » c'est son choix. C'est son choix. Moi, j'ai un choix à faire qui m'est personnel par après. Mais c'est quitté, quand je vous entends parler, vous faites beaucoup de choses pour Savigny, vous fédérez beaucoup de courants. Alors, pourquoi cet article-là vous dérange? Parce que pourquoi ne pratiquez-vous pas la politique des les chiens à bois, la caravane passe, par exemple? Non, parce qu'à un moment donné, il faut être relativement clair. Il faut savoir, ce n'est pas à titre personnel, mais des gens qui me soutiennent ont été choqués en lisant ce qui a été écrit. Et ça m'est insupportable. Je ne peux pas le comprendre, je peux vous assurer. J'ai pris cela, je le dis en toute amitié, cela m'a fait sourire. Et bon, voilà, encore une déclaration qui est relativement minable. Par contre, c'est vrai, des gens ont été choqués, des gens ont été blessés, des gens se sont identifiés à cet article. On ne fait pas la politique uniquement pour être, voilà, être élu voilà, à la tête, et voilà, je veux être maire, je veux... Non, ça c'est dans les bandes dessinées is no good, hein. Non, là, dans la vraie vie, on commence, enfin moi, ma conception de la politique, elle est très simple. C'est, très bien, tu es délégué par le peuple pour porter une voix, pour apporter la contradiction, pour arriver aussi à construire quelque chose de bon. De faire des propositions. Voilà, des propositions, on fait des propositions très réelles. Là, dernièrement, nous avons proposé pour la ville de Savigny d'axer quand même une politique de désendettement de la ville. Parce que les gens souffrent, les Savigniens souffrent. On sait très bien, moi je connais parfaitement Savigny. Il y a des familles qui ont 600-700 euros de revenus par mois. D'accord. Donc il faut axer là-dessus. Et là, ce que je ne comprends pas... Mais justement, j'y reviens là-dessus. Oui. Parce que si vous présentez votre programme, qui est somme toute assez, assez convaincant, c'est papier tombe. Mais j'ai l'impression justement que quelque part Alain Brillard trouve que vous êtes un faux social. Alors lui, il voudrait vous renvoyer très loin à Neuilly. Bien entendu, vous savez, ce discours, alors que ça soit de certains socialistes, moi, je ne veux pas mettre tous les socialistes, j'ai beaucoup d'amis chez les socialistes. Bon, voilà. Ce genre de discours de certains socialistes ou communistes ou radicaux de gauche ou je ne sais trop quoi, ou verts, etc., ça me fait doucement sourire. Il faut bien que les gens se disent bien ceci, la gauche n'a pas le monopole du social. Il faut qu'on arrête avec ça, c'est du pipeau. Ils nous ont vendu pendant des années en disant, voilà, la droite c'est uniquement le fric, l'argent, le capitalisme, l'hypersécurité, et la gauche c'est quoi? C'est du social, c'est du pipeau. Regardons la réalité des choses. Aujourd'hui, les jeunes sont extrêmement contents et heureux de pouvoir être auto-entrepreneurs ou pas. C'est la réalité, ça, c'est la vraie vie. Hein? Oui, il y en a qui sont peut-être aussi, qui ne sont pas heureux d'avoir appris ça. D'accord. Mais là, effectivement, nous avons des propositions aussi. C'est vrai ce que vous dites, Élise. On présente en programme les déclarations de M. Brillard tombent. Elles tombent de toute façon d'elles-mêmes. Mais à un moment donné, je pense que quand on est représentant du peuple, et je représente un certain nombre de Savigniens, je représente un certain nombre de sénateurs, je représente un certain nombre de personnes, des personnes même de Melun d'ailleurs, qui me soutiennent. Croyez-moi, il y a beaucoup parmi vos auditeurs qui me soutiennent.
ce qui est quelquefois assez ennuyé quand je veux prendre, je prends le RER et je souhaite lire un tout petit peu, je suis parti en conversation, même quelquefois je rate ma station. C'est très intéressant d'ailleurs, mais c'est très affectueux, c'est la chance, quoi, c'est génial comme je dis. Mais c'est à un moment donné, pour ces gens-là, pour ceux qui n'ont pas le droit de parler, pour ceux qui ne peuvent pas parler ou qui n'osent pas parler, il est de mon devoir de dire stop, maintenant ça suffit, terminé. Vous voulez jouer à cela, vous en paierez les conséquences. Vous voulez construire quelque chose, vous nous trouverez à côté, vous nous trouverez face à vous, on pourra discuter, politique, aménagement, sécurité, tout ce que vous souhaitez. Mais ce genre de bêtises... C'est parti entre Hervé, Kité, Bassimon, HKS et Élise. Mais juste un mot, oui. Ce qu'il faudrait quand même comprendre pour nos auditeurs qui vous suivent, c'est le sens de cette action judiciaire que vous avez engagée contre votre collègue. Quel sens vous donnez à cela? Vous avez fait conseiller par huissier, vous avez saisi le tribunal. Qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne derrière ce type d'action? Alors, j'attire, comme je vous l'ai dit, je suis très clair dans mes propos. J'ai fait faire un constat d'huissier, effectivement, un constat d'huissier de 82 pages, extrêmement détaillé. J'ai pris le temps de la réflexion pour saisir la justice et déposer plainte. Je pense que je vais le faire. Le sens de cela, c'est de dire, voilà, on peut dire beaucoup de choses. C'est vrai qu'en politique, les coups bas sont malheureusement courants, les médisances aussi, mais on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. À un moment donné, il faut savoir respecter ses adversaires politiques, ses adversaires d'idées, quel que soit. Vous savez, on commence avec ça et on finit avec une bagarre sur un terrain de foot. Alors moi, je ne suis pas du tout de ce type de politique. Je préfère le débat d'idées. Moi, je n'ai pas été élu pour servir de punching ball comme ça. Hein. Je pourrais rendre les coups au même niveau, vous savez. On m'a dit que j'ai le verbe haut, le vocable assez facile, l'arsenal langagier assez riche. Je pourrais m'en servir à ce niveau-là. Non, je préfère mettre peut-être les quelques petites qualités que je peux avoir au service de ceux qui ne peuvent pas parler, qui ne veulent pas, qui ont peur et qui souhaitent une société différente que ça. Moi, j'en ai marre de ce genre de politique, je vous assure. Ça ne fait avancer rien du tout. On communique, mais on ne réalise absolument rien. Donc, à un moment donné, on dit, ça va, ça suffit. Là, j'ai marqué un coup d'arrêt. C'est un message qui est envoyé à l'ensemble de mes adversaires politiques. Maintenant, ça suffit. Qu'on ne touche pas. Qu'on ne touche pas. Allons sur le débat, allons sur les idées, confrontons projet par projet, allons-y, et puis donnons des réponses à ceux qui nous élisent. Moi, je ne comprends pas. Quand on met en évidence les difficultés en matière de sécurité des gens, vous savez, les premiers qui souffrent de la sécurité à Savigny, comme dans les environs de Savigny, ce sont ceux qui ont le plus besoin de sécurité. Ceux qui souffrent, ceux qui vont, vous savez, qui ont des emplois précaires, qui vont ils se lèvent à 3 heures du matin pour travailler, aller nettoyer les bureaux 4, 5 heures du matin, ou qui rentrent extrêmement tard. Je n'ai vu aucun de mes collègues faire l'essai de transport. Moi, j'ai essayé, j'ai vu, j'ai regardé. Je n'en vois aucune information concernant l'air. Je vais tester sur le terrain, croyez-moi. Et j'y vais avec mon équipe, j'y vais tout seul, j'essaie de voir un peu. Ceux-là ont besoin de sécurité. Vous savez, moi, j'ai reçu un jour, à ma permanence, qui est en face de la mairie de Samy, un monsieur, 57 ans. J'étais blessé, choqué de le voir pleurer. Mais je vous dis, il pleurait parce qu'il avait une petite voiture qui avait été brûlée la veille. Pensez-vous que la majorité municipale a essayé de comprendre qu'effectivement, oui, mais les voitures brûlées dans les quartiers... Où les gens ont vraiment besoin de ces voitures, de ces véhicules pour pouvoir se déplacer. Quand on travaille en Seine-et-Marne, si on n'a pas de voiture, on est fini. On n'a rien. On n'a rien. Voilà. Donc ça, moi, c'est ce qui me fait le matin quand je me lève, que je me rase. Je pense à ces gens-là qui ont besoin de leur voiture. Je pense à ces enfants qui, quelquefois, me regardent et sont tout contents de dire « Ah tiens, voilà, vous, on vous a vu, hein, on vous connaît, oui, mais voilà. » Et derrière ça, moi, je travaille pour eux. Je suis à leur service. Ce sont eux les patrons, c'est pas moi. Parce que vous avez la délicatesse de minimiser les propos aussi nauséabonds de monsieur Alain Briard. Et franchement, je vous en remercie. Par contre, moi, je le dis à vos auditeurs, je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour mon équipe, on passe largement au-dessus de ça, mais encore une fois, je le fais pour tous ceux... Pour l'éthique politique, en fait. Pour l'éthique politique, d'ailleurs, j'avais fait un dîner à la rentrée là-dessus, mais je le fais non seulement pour l'éthique en politique, voilà, et je le fais
pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas parler, qui n'osent pas parler, et je suis là, et je serai toujours là pour les défendre, les soutenir, et faire en sorte que la 11e circonscription soit une des plus belles circonscriptions de Seine-et-Marne, que Savigny soit à la pointe de cette 11e circonscription, et là où il y aura ce genre d'adversité, on retrouvera. Dont acte. Voilà. En tout cas, merci Hervé Kitabassimo, j'espère que vous reviendrez pour nous faire mieux, nous faire découvrir cette 11e circonscription qui vous tient tant à cœur. Merci à vous. Merci. Buena fiesta, mi amor. Estoy contenta. Mi farra, ramera. Buena fiesta.